Les situations d'apprentissage viennent plus de la classe de situation où ça pourrait être nommé, je ne sais pas, pour tel type de cours, déménagement, changement personnel dans sa vie. Ça pourrait être quelque chose qui est en lien avec la santé. Et donc, on va retrouver une situation d'apprentissage, en une entre autres, que c'était au niveau de la santé des enfants et des adultes. Il y avait toute une situation d'apprentissage qui est en lien avec tout ce qui a eu rapport avec la grippe H1N1. Dans les situations d'apprentissage, c'est sûr qu'on retrouve les éléments prescrits des cours et une foule d'activités qui est en lien avec l'apprentissage du français. Puis, on peut retrouver la lecture, l'écriture, la prise de parole, dépendamment de ce qu'on retrouve. C'est assez conforme à ce qu'on retrouve dans les cours. Et les situations d'apprentissage, c'est très vivant, c'est très, ça amène des sujets qui ne sont pas nécessairement traités dans un cahier. Et ce qui aide le plus, je pense, c'est au niveau de l'animation. Les profs enseignent, animent, font beaucoup, beaucoup, beaucoup participer les adultes. Je dirais que les situations d'apprentissage, c'est assez rassembleur. Et comme on en a beaucoup, il n'y a rien qui nous empêcherait de dire, bon, c'est quoi les thèmes qu'on peut traiter dans l'année ou dans le mois et qui va beaucoup plus intéresser les adultes. Dans chacun des cours, il y a tout le côté intégration des TIC qu'on n'avait pas du tout avant, qui fait partie de la politique d'éducation des adultes, de développer les TIC chez les adultes, si on veut qu'ils soient capables de fonctionner dans la vie de tous les jours, là.